Salut à tous! Une vidéo, comme vous pouvez le voir, consacrée à la Frugalware Linux 2.1 en setup GNOME. On est le 5 septembre 2016 quand j'enregistre la vidéo, elle est sortie le 4, donc autant dire qu'elle est encore assez fraîche. J'ai récupéré l'ISO d'installation avec GNOME. Pardon, c'est qu'une ISO installable, il n'y a pas d'ISO live, malheureusement. Comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif un lien vers l'article de blog concernant cette distribution. Trêve de bavardage. Je vais vous montrer comment installer et post-installer une Frugalware Linux avec GNOME. On y go. Donc je réduis ça. Bien sûr, c'est mieux si je mets l'ISO dedans. Donc c'est FVBE. Ça s'appelle comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un installateur qui est un peu austère et un peu rude d'ergonomie. Donc il faut faire gaffe. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez tester cet ISO dans une machine VirtualBox, partitionnez votre disque dur auparavant avec une image comme JParted Live ou compagnie. Donc, première étape, on sélectionne le local. Donc, pour gagner du temps, je tape directement F. Donc, FRFR. Et après, dès que j'ai surligné un choix, je tape tabulation, puis entrée pour aller dans pour valider le bouton suivant. Non, je ne veux pas faire plus que de personnalisation. Idem ici, donc on va prendre FR Latin 9. Toujours la même chose, entrée. Voilà, alors Deroad, c'est une planète, si j'en crois ce que j'ai pu lire sur Wikipédia, qui se trouve dans les deux bouquins, un des deux bouquins de les préquels de Fondation, de la série d'Isaac Asimov. Je ne suis pas super fan des préquels de cette série, donc c'est apparemment une planète ou une certaine licence sexuelle, mais pas après le mariage, plus rien. Côté liberté sexuelle, bien sûr. Donc là, vous rechercherez sur Wikipédia, c'est Deroad. Bon, je ne connais pas. Vous savez, moi, le prix de la fondation, tout ça, non, je préfère la trilogie centrale. Bref. Non, là, je vous montrerai. Donc la première étape, on va partitionner le disque. Bon, j'ai pris un disque dur en BIOS parce que je n'ai pas voulu me prendre la tête avec l'UEFI. Restons prudents. Donc, next. Ok, d'accord. Là, on s'est surligné, il faut sélectionner. Donc, on crée une partition en DOS. Ok. Ok. Ah, zut. Donc, ok, next. Bien sûr, c'est espace libre. Next. Ah! Entrée, voilà, on y arrive. Donc je vais faire un partitionnement simple, root, swap, home. 20 gigas pour le root. Ok. 4 gigas pour le swap. Ok. Et le reste pour home. Voilà, c'est bon. Un coup, c'est vraiment chiant. Désolé, c'est qu'à dire, c'est chiant. Donc, on va sélectionner la partition root qu'on va formater en extended 4. La partition swap qu'on va mettre en swap. Et 100 points de montage, merci. Et dans la partition qu'on va formater en extended 4, qui sera home. Voilà. Donc là, c'est la première partie la plus chiante de l'installateur. C'est vrai que c'est pas super évident quand on ne connaît pas trop l'ergonomie. Ok, next. Voilà, il va partitionner et formater le disque. Donc déjà, c'est assez rapide, théoriquement. Là, on installe base et GNOME. Base, c'est la base et GNOME, c'est GNOME. Ça. Monsieur Lapalisse sort de secours. Et là, il va installer tout. Voilà, il y a 600 paquets à installer, il va tout installer rapidement. En 3 minutes, c'est installé. À peu près. Quand j'avais fait la vidéo au mois de juillet, j'avais installé la base, après j'avais rajouté Xorg, j'avais rajouté GNOME. C'était bien ennuyeux, parce que ça m'avait pris une éternité. Donc là, il vérifie l'intégrité des paquets. Voilà, c'est bon, maintenant il va installer. Donc ici sans paquet, c'est la base de plus GNOME qui va démarrer directement. D'ailleurs, pour la maintenance de GNOME, il faut féliciter Bast qui fait un boulot magnifique, enfin,
à l'époque, quand j'utilisais la Fuglerware, Bass faisait déjà un sacré boulot. Et dans mes tests intermédiaires sur la Fuglerware 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, Bast avait fait quand même pas mal de beau boulot aussi. Donc, chapeau bas à Bast. Et comme j'ai précisé dans l'article, maintenant il n'y a plus que deux versions graphiques officiellement supportées, KDE et GNOME. Dommage pour Maté, dommage surtout pour XFCE. Mais comme l'équipe est assez réduite, il faut savoir quand même faire des choix, même si c'est un peu taillé à la hache. Là, quand même, l'installation est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Dommage par contre que le partitionnement soit si peu ergonomique à mettre en place. Donc, ce que j'ai pu lire, c'est GNOME 3.1.3, c'est qui est pas si mal que ça. Je crois qu'il y a Plasma 5.7.3. Bon, faut aimer Plasma. Personnellement, je supporte de moins en moins Plasma. Après les coups et les couleurs. Hein. Ou les coups et les douleurs, c'est comme vous voulez. Ça ne se discute pas. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait CUPS. Donc déjà, on pourra rajouter une imprimante si elle est reconnue par CUPS et par tout ce qui est Fumatic DB, on est sauvé. Il va justement avoir aussi HP Lip pour les imprimantes HP. C'est quand même assez rapide, comme vous pouvez le voir. Et bientôt les paquets ont fini d'être installés. Ça peut être quoi? 3-4 minutes? C'est quand même plus rapide que taper Pacman ou Pacman G2, moins S, patati patata. Donc là, on entre le mot de passe root par deux fois, en évitant de faire des fautes de frappe. Oui, donc on y encore un nouvel utilisateur. Quoique je peux créer un utilisateur. Oh, je vais quand même créer l'utilisateur, même s'il y a GNOME avec le premier accueil de GNOME. Donc je vais quand même directement créer l'utilisateur, ce sera mieux. Parce que vous avez assez d'accueil, mais on va quand même créer le compte, ce sera aussi bien. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est le nom de la machine, on va pas s'emmerder. Hein. Donc je vais prendre VIM. J'installe le GNOME, donc autant utiliser GDM, c'est quand même mieux. Voilà, donc on fait Next. Donc je veux le fuseau horaire avec l'horloge UTC, l'heure UTC, donc c'est bon, je touche à rien. Je ne fais que modifier le fuseau horaire sélectionné. C'est quand même bien d'installer GRUB. Ça va démarrer sur. C'est quand même plus pratique d'avoir cru pour faire démarrer l'ensemble. Je ne voudrais pas dire. Soyons pratiques. Voilà, donc next. Donc là par contre, je vais forcer la main. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas bien de forcer la main, mais on est sûr et certain. Oups!
problème de réglage. J'ai pas pris de bon réglage au niveau. Mais bingo, voilà, j'ai mis le disque optique avant de mettre le disque dur. Donc vous voyez, il y a, zut, il y a deux CPU. Ça sera un peu mieux avec deux CPU, n'est-ce pas? Voilà. Ça sera un peu mieux. Voilà, on est parti. À nouveau. Là, on va voir ce que ça donne. Donc c'est Linux 4.7.2, ce qui est quand même assez récent. Donc apparemment il n'y a pas de Plymouth. C'est pas bien grave, un Plymouth ça ralentit plus qu'autre chose. Voilà, donc là je vais passer en plein écran. Et GDM devrait se lancer. Enfin, c'est GDM aussi. Il va mettre un peu de temps à se lancer. Voilà. Ah, par contre, il y a un petit problème au niveau du son. Il va falloir régler ça. Voilà. Donc là, nous avons la session GNOME qui s'ouvre. Enfin, qui veut bien s'ouvrir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, première chose, on va mettre du son. Voilà. Deuxième, on met le clavier français par défaut. On s'occupera de mettre un clavier après, uniquement le clavier français. Donc, on va voir ce qu'il y a comme application au démarrage. Donc, apparemment, il manque des icônes. Dommage. Ça, c'est pas bien grave. Il manque pas mal de petits trucs. Apparemment, il n'y a pas les jeux. Bon, mais ça sera rajouté dans le paquet GNOME Extra. Il n'y a pas Firefox, apparemment. Non, il n'y a pas Firefox. Bon, on va le rajouter après. Et il n'y a pas LibreOffice non plus. C'est vraiment une installation minimale. Donc, on va voir si au moins il y a les répertoires utilisateurs. C'est très bien. Merci, Bast. Là, on va réduire quand même les icônes. Sur quelque chose de supportable, de chevet. Désolé. Donc, dans les réglages, on va fignoler les réglages et après, on va s'attaquer à l'installation, enfin, la post-installation de l'ensemble. Donc, je vais modifier mon utilisateur. Voilà. C'est mieux comme ça. Ensuite, payer langue. On va gicler le clavier qui ne sert à rien. Détail, c'est GNOME 3.20.2. Allez, voilà, 3.20.2. Là, donc, on va ouvrir un terminal. Et on va s'occuper. Donc déjà, bon d'accord, j'ai dû faire une erreur de frappe. Voilà, donc on va commencer déjà par bisudo. La première chose, je vais rajouter l'accès sudo à mon utilisateur. Le compte Win. Donc, par contre, il va falloir que je redémarre parce que je sais pas où je pourrais déconnecter, mais je vais carrément redémarrer pour être sûr et certain que le compte Will, enfin, le groupe Will est bien ajouté à mon utilisateur dans Frugalware. Je sais que c'est un peu lourd, mais on n'est jamais trop prudent. Voir quelles sont les sessions disponibles parce que je n'ai pas regardé tout à l'heure. Mais je me demande par exemple si le mode GNOME classique est disponible ou pas.
Donc c'est simple à savoir. Et un gnome et un gnome classique. Ok, donc c'est pas plus mal comme ça. Par contre, je vais m'occuper de ce problème de son qui est muté par défaut. Sale bête. Donc, ah bah c'est bon. On a le son qui est à fond sous GNOME. C'est pas grave. Donc, on ouvre un terminal parce qu'il n'y a pas d'outil graphique, malheureusement, pour gérer les paquets. Enfin, il n'y a plus d'outil graphique, malheureusement. Donc, on fait sudo pacman g2-syy. Pacman g2 est un lointain cousin de Pacman d'Arch Linux. Je crois que le fork doit dater de 2007. Autant dire que ce sont des cousins éloignés. On fait la mise à jour des paquets pour voir s'il y en a. Oui. Donc il n'y a qu'une seule modification appliquée. Donc là, on va rajouter Firefox. Yaourt, pardon. D'habitude, sudo pacman g2 -ss Firefox. Pour savoir, ah d'accord, simplement Firefox FR. Pour l'avoir directement en français. Bon dépôt en face, j'ai la connexion qui est pas trop mauvaise, c'est cool. Ah, je profite pour avec Gnome Tweak Tool pour modifier la date parce que je la trouve un peu restreinte. On va mettre une date complète, ce sera plus agréable. Ça se modifie en quelques secondes avec Gnome Tweak Tool par supérieur. Voilà. C'est quand même plus agréable. Donc normalement on doit avoir Firefox qui a dû être rajouté. Voilà, on a Firefox. Et maintenant on va rajouter GNOME Extra pour avoir les outils qui manquent. C'est un métapaquet. Donc on va voir ce qu'il va nous rajouter. LibreOffice GNOME qui va être installé, mais je ne sais pas si LibreOffice va être installé. Il installe tous les jeux. Il installe l'agenda, là ça a pas mal de petits trucs. Quadibet aussi, pourquoi pas. Parce que Sandbox est un véritable ogre. Donc il y a 393 paquets à récupérer. Par contre, il installe LibreOffice GNOME, mais pas LibreOffice tout court. Donc on le rajoutera après. Vous voyez quand même, c'est pas si mal que ça. Elle est assez rapide la distribution. Elle est utilisable. Le problème, c'est la petitesse de l'équipe, donc il n'y a peut-être pas autant de logiciels qu'avec d'autres distributions. Je vais changer aussi le fond d'écran, on va mettre quelque chose de plus passe-partout. Ah, ben on va mettre celui-là, tiens. Ça sera plus reposant. On a quand même presque 400 paquets à récupérer, donc c'est un peu long pour vérifier les conflits. Désolé. Pendant ce temps-là, ben j'essaie de meubler un peu. Hein. Enfin, déjà, il y a pas mal de progrès par rapport à ce que j'avais fait, pu voir au mois de juillet. J'ai pas besoin de me taper l'installation de Xorg, j'ai pas besoin de me taper l'installation de GNOME, j'ai pas besoin de m'installer l'ensemble des outils. C'est quand même un brin mieux. Il faudra juste voir si on peut voir le plein écran dans. Ces outils, enfin, si les modules VirtualBox sont supportés pour avoir l'affichage en plein écran. Ce sera le dernier truc que je ferai pour vérifier.
Par contre, je crois avoir vu qu'il y avait Numérique dans le coin qui est installé. Oui, il y a Numérique qui est installé. Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est pas grand-chose, il marche pas grand-chose, hein. J'ai vu aussi, je crois que j'ai vu Bluefish, l'éditeur de page HTML. Pourquoi pas? C'est pas mortel non plus, hein. Donc il y a 2 gigas à récupérer, enfin 630 mégas à récupérer. Donc je comprends que pour l'image de GNOME, ils n'aient pas voulu avoir une image de 3 gigas parce que ça aurait pesé tout ça avec. Bon, vous êtes un peu moins, mais ça aurait pesé quand même assez lourd. Donc là, le solitaire est récupéré. En gros, on aura 900 paquets d'installés, un peu moins de 1000 même. Enfin 990, un peu moins de 1000 paquets installés, ou un gros millier de paquets installés pour avoir un GNOME complet. Ce qui n'est pas excessivement lourd. Donc l'install va durer 5 minutes à peu près. Pas mal de petits paquets, donc ça aide un peu. Parce que si c'était des paquets à chaque fois de 3 mégas, enfin de 3, 30 ou 40 mégas, ça serait pas la même histoire. Ah, il rajoute des fonds d'écran FrugalWare. Miam. Ce sera toujours intéressant de voir ce qu'il y a. Évidemment, là, il va forcément avoir une centaine de mégas de fond d'écran. Oui, ça fait mal. Non, ça picote juste un peu.
On s'avance, on recule pas. C'est plus rapide que je le comptais. Enfin, que je l'espérais surtout. Comme il y a pas mal de petits logiciels, enfin, de petits paquets à récupérer. Bien sûr, installer des GNOME Extra n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir quelques ajouts intéressants. Et bon, plus que 100 de paquets, c'est terminé. Ah, il installe LibreOffice, autant pour moi, je pensais qu'il n'installerait pas. En tout cas, s'ils pouvaient respecter leur volonté de rester en rolling release comme jadis le faisaient à une certaine époque, ça serait pas plus mal que ça. J'ai oublié de préciser au début de vidéo, bien sûr, mais la FrugalWare est une rolling release. Mea culpa d'avoir oublié ça en début de vidéo. Donc, il installe LibreOffice GNOME, automatiquement il installe LibreOffice par dépendance. Suis-je bête? Inutile de répondre dans les commentaires que c'est le cas. Merci bien.
j'espère qu'il ne va pas y avoir de conflit de fichiers. Bon, d'accord, j'ai compris. On va lui forcer la main. C'est pas bien, mais on va lui forcer la main. Méchant paquet. Méchant paquet Sid. Je sais, normalement, il ne faut pas forcer l'installation, mais là, il n'y a pas autre choix. Méchant paquet, va. C'est moi qui décide, donc tu obéis. T'as compris? En pas fait. C'est pas toi qui fais la loi, c'est moi d'abord. Na. Non, comme tous les paquets ont été récupérés, maintenant, normalement, c'est un peu plus rapide. Il n'y a plus qu'à installer. Désolé pour la longueur là, mais il n'y a pas autre choix. Parce que quand même, ça a été trop facile de dire ouais, ben, j'ai installé ça, ça et ça. Je voulais vous montrer quand même que c'est assez utilisable à l'emploi. Enfin, c'est assez facile d'accès pour une rolling. Moi, bien sûr, on est loin de ce que peut proposer une arche ou une Manjaro sur certains plans, mais il faut pas oublier que il y a une petite équipe derrière qui ont été obligés de faire des sacrifices pour sortir cette version. Il faut pas oublier qu'il y a presque eu une vingtaine de mois entre la version 2.0 et la version 2.1. Donc on va pas s'en plaindre qu'ils sortent une nouvelle version actuellement. Et ça change vraiment des Zetronicielles à la FerrenOS ou encore à la DuoCoreOS ou aux autres DGLFI que j'ai pu donc, sur lesquels j'ai pu faire des vidéos. Ça y est, t'es parti. C'est assez rapide. Après, on va fermer la session, la rouvrir et on va voir ce que ça donne. Avec une installation GNOME complète. Mais je pense que ça va être quand même assez utilisable. Et on voit quand même que Pac-Man sait se débrouiller pour faire des installations rapides. Tiens, déluge! Ça fait une éternité que j'ai pu utiliser ce client BitTorrent. Apparemment, il installe aussi GnomeBoxes pour l'émulation, enfin virtualisation.
un jeu de Mahjong, n'est-ce pas? Pour les personnes qui aiment. Ah, il faut peut-être rajouter aussi Gimp pour voir s'il est disponible. Histoire de compléter l'offre logicielle. Donc, notre ami Mono, serait-ce pour Banshee? Donc, nous installons LibreOffice maintenant. Pidgin, le client multi messagerie. C'est bon, on arrive à la fin de la torture. Ok, donc là, on va fermer la session et on va la rouvrir. Voilà. Et on voit ce que donne la Logitech installée, qui doit être maintenant un peu plus copieuse et roborative. Oui, j'emploie des termes d'un certain niveau de langage élevé. Voilà. Donc, allez. Donc, il y a Shotwell qui est ici. On a Resonant Box. Alors, est-ce qu'on a des problèmes d'icônes qui ne sont pas générés? Donc, on a Bluefish. Ok. Dans les outils divers, on a ça. Ok. Ok, on a Gumpy, Frogger, Jerry. Pourquoi pas? Ah, la LibreOffice, il n'y a pas de problème de génération d'icônes. GTK Pod, pourquoi pas, mais bof, quoi. Lollipop, pas mal comme idée. On va voir que la version LibreOffice est bien installée en France. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ah, il manque le français. Oh, ça va se corriger en quelques secondes. Il y a Oxterm qui est installé, pourquoi pas. Donc, on va faire sudo pacman g2 moins s libreoffice ltis nfr. Si c'est bien celui-là, ouais, c'est celui-là. Dommage, la traduction française de LibreOffice n'a pas été installée. Voilà. C'est dommage par contre. Ben, on ferme ça, et normalement, si on relance notre ami Writer, par exemple, il devrait être maintenant en français. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Ok, la version 5.2, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel installé? Donc on a
SingThings, pardon. Dans les jeux, bien sûr. Ensuite, on a Quadlibet, pourquoi pas. Keepnote, on a pas mal de petits outils quand même qui ont été installés. Bon, bien sûr, il y a des doublons, mais c'est pas grave, on peut toujours les virer à la main. Donc, je vais dans le terminal. Ce qu'on n'a pas besoin, par contre, on va virer par exemple Rockstern. C'est le Pacman G2-RCS Rockstern. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours faire gagner un peu de place. Peut aussi virer Bluefish par exemple. Donc là, on va voir la place prise. 6 Go 6. Sudo Pacman G2-SCC. Ouais, on a la 6 Go installée. C'est à peu près ce qu'il faut compter pour un gnome. Oups, ça part. Maintenant, on va installer. Désolé. On va installer notre ami Gimp. Ah, c'est une version de développement de Gimp. Je pensais qu'ils auraient mis Gimp stable. Pourquoi pas? Désolé pour la flatulence, ça arrive. Hein. Nous sommes tous humains après tout. Hein. Et tout ce qui rentre un jour doit ressortir. Du moins en théorie. Là, je sais pas que. Je pensais qu'ils auraient gardé un Gimp stable. Pourquoi pas, après tout. Je vais voir s'il y a HP Deep, tiens, aussi. Pour les personnes qui utilisent. Voilà à quoi ressemble l'écran démarrage de GIMP 2.9. Bon, c'est pas mal, c'est sympa avec le thème noir et blanc. C'est pas mal. Ça change un peu, ça fait plus professionnel. Je vois par contre si on peut revenir au thème en couleur. Préférence. Alors thème peut-être, thème d'icône, couleur. Ah mais pour venir. Ah non, ça fonctionne une fois sur deux. Bon, ben dommage. C'est son développement, c'est pas grave. Donc je vais voir si on peut installer HP Deep. Oui, apparemment HP Deep s'installe aussi. Toujours pratique si vous avez une imprimante HP. On va changer le fond d'écran pendant ce temps-là. Arrière-plan. Donc, on va voir si il y a des fonds d'écran Frugalware qui ont été installés. Pas le Locris, non. On va prendre. Pom, 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 pom. Tiens, on va prendre celui-là. Je sais pas de quoi il date, mais il est sympa. Il me plaît, il me parle. Allez, charge-toi. Même si c'est un peu daté, il me parle, celui-là, il est sympa. Allez, voilà. On ferme ça. Et on ferme ça. Donc normalement, on a HP Lip qui est disponible.
HP Device Manager. Bon, bien sûr, ça va gueuler parce qu'il n'y a pas de d'imprimante détectée, mais voilà. Au moins, c'est une version récente d'HP Deep. Enfin, récente, oui, c'est même une version assez récente, oui. Donc, il y a toujours HP Deep au cas où. Et est-ce qu'ils ont calibré, tiens, le célèbre éditeur d'e-book? Ah oui, ils ont calibré aussi. Donc, si vous avez besoin de transférer vos e-books ou les transformer, vous avez la possibilité aussi de le faire sur Frugalware. Donc, quand même, même si l'équipe est petite, la Logitech qui est fournie est intéressante. Même si elle n'est pas aussi répandue que d'autres distributions, il y a toujours de quoi se mettre sous la souris. On va voir la version de Firefox. Essayez de bien passer en français. En tout cas, j'avoue que pour le moment, c'est une bonne surprise. Donc là, on va juste le mettre en. Oui, je veux quand même par comme navigateur par défaut. Il y a aussi Chromium, donc si vous êtes intéressé par Chromium, vous pouvez. Après les goûts, les couleurs. Donc, on va dans le langage. Activer. Donc, en relançant notre ami Firefox, peut-être que. En tout cas, je suis très agréablement surpris par cette version. On ne peut qu'admirer le boulot qui a été fait. Voilà, il est où Firefox? Bien sûr, il est là. Dommage par contre qu'il n'y ait pas de gestionnaire graphique à la PA Mac. Et donc c'est un Firefox 48. Pour finir, je vais vous montrer le site officiel de la Frugalware. Voilà. Avec l'ensemble des. Donc il y a Plasma 5.7.3, LibreOffice 5.2.0.4, donc là, une petite surestimation. Chromium 52, donc c'est quand même assez récent. Je vais vérifier un dernier truc, c'est pour les piles, pour voir si on peut supporter le plein écran dans VirtualBox. VirtualBox Modus, je crois que c'est le paquet. Tiens donc, il me dit pourquoi il me dit que c'est trop vieux. What? Donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir s'il redémarre en plein écran. Je vais quand même me faire un petit YY VirtualBox Mobile. Comme ça on va voir s'il me refait la gueulante. Merci. Donc poser le pacman.ql pour voir s'il n'y a pas un service à activer. Redémarrer et on va voir s'il nous prend en compte par défaut le plein écran dans VirtualBox et après la vidéo sera terminée. Elle aurait pu être pire. C'est vrai que le gros morceau, c'était l'ajout de GNOME Extra. Je pensais qu'il aurait été un brin plus rapide, mais en tout cas, j'avoue que la distribution est vraiment a vraiment fait énormément de progrès depuis par rapport aux souvenirs que j'en avais. Alors, plein écran ou pas plein écran? On va le savoir très vite. Non, pas plein écran. Dommage.
Je vais essayer quand même d'ouvrir la session de GNOME. Moi, j'ai dû manquer une étape pour qu'il passe en full screen. C'est pas grave. Le plus important, c'est que ça démarre, que ça soit testable dans une machine virtuelle, après tout. Ah, j'ai oublié dans ses calibres. Pas bien. Non, il dépasse pas à peine écran. Ouais, tant pis. On va voir ce que donne calibre maintenant. Le convertisseur d'ebook est bien sûr qu'on peut utiliser pour des opérations dont la légalité est moins acceptable, n'est-ce pas? En classe, se débarrasser des inutiles verrous numériques. Voilà, donc suivant. Donc on va prendre ça. Suivant. Suivant. Terminé. Là oui, c'est un peu vieux, le 266, oui, donc ça c'est le problème de calibre qui a tendance à être un peu staccanoviste au niveau des mises à jour. Bon, mais c'est pas si mal que ça, au moins on peut utiliser le calibre. Donc là, je vais éteindre pour de bon. Donc pour conclure, je suis très content de ce que j'ai pu voir. Bon, c'est vrai, il y a une petite équipe. Dommage pour Mathé. Dommage qu'il n'y ait pas non plus de gestionnaire graphique de paquets. C'est une distribution qui est intéressante. Le seul problème, c'est qu'elle a du mal à attirer des utilisateurs. Ça a toujours été le problème de la Frugalware. J'espère qu'elle va mieux se sortir sur ce. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.